Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Resident Evil Remake GameCube. Ouais, et je sais, si, oui, je sais, le titre est long. Je sais. Donc la dernière fois, on avait récupéré le premier masque. Et il me semble qu'il y a un truc pas très bien derrière la porte, hein, si je me souviens bien. Et je sais toujours pas quoi faire avec ce joyau. Enfin bref, on va essayer de trouver. Hein. Donc moi j'ai avancé un peu dans une partie personnelle, j'ai réussi à avoir trois masques. Le problème c'est que ça fait longtemps que j'y ai pas joué en fait. Donc j'ai un peu oublié où étaient les trois masques. Voilà. Voilà, pour faire un résumé. Pour faire un petit résumé. Alors j'espère que. Putain, il est là. Non 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 non. Non non non. Ah merde! Connard! Non, tu mourras pas. Tu ne mourras pas. Voilà, passez par là, hein. Oh, le trou du cul, hein. M'a bien fait flipper. Là, j'ai pas moyen. Non, bah non. Forcément, je suis dans quelle zone? Putain, je suis... Attention, fais chier. J'étais en rouge. Bon. Ah voilà, j'ai plus de medikit sur moi. Génial. J'adore. Alors... On va essayer de se balader un peu, hein. Histoire de voir où on peut aller. Et je pense savoir où mettre le joyau. Voilà. Après, je suis pas sûr du tout. Je pense qu'il faut que je retourne à la salle de la plante. Enfin, en direction de la salle de la plante. Et le problème, c'est que je ne sais plus où c'est. Eh ouais. Ouais. Enfin, bref. Enfin, bref. Après, il me semble qu'il y a une porte en bas qu'on pouvait déverrouiller avec la clé armure que j'ai eu dans l'épisode précédent. Enfin, dans les deux épisodes précédents, pour être plus précis. Il me semble, hein. Après, je suis pas sûr du tout. Est-ce que je suis passé par là aussi déjà? C'était là. Ça, c'était là. Non, ça, c'était la clé épée. Autant pour moi. Ah, je sais vraiment plus, quoi. Je ne sais vraiment plus. Donc ça, c'est le couloir des sciences. Et ils n'apparaîtront pas. Non. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait, il fallait que je rentre par cette porte-là, si je veux qu'ils apparaissent. Comme j'ai pas vraiment envie qu'ils apparaissent. Bonjour, Jill. Alors, donc ça, c'était les chiottes... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits? Ah! Aidez! Non, non, non! Oh putain! Oh putain! Oh merde! Oh merde! Ah! Merde, 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 merde! Je trouve que ça commence bien, je sais pas vous. Oh putain! Il y a des bruits bizarres. Ah merde. Je l'ai pas tué lui. Non, non, je l'avais pas tué. Je l'avais pas tué. Non merde. Oh, j'ai réussi à esquiver. Oh, c'est bon ça. C'est quoi ça? J'ai laissé des balles dans la salle sur la droite. Ah cool, merci Barry. Bon, on va aller voir. Apparemment, Barry nous a laissé des petits objets. Ce qui est assez cool. Moi, je trouve. Ouais. Oh oui. Oui. Il nous a fait plaisir, là. Alors, un spray. Ok. Ça, ça me va. Ça, c'est quoi? Des grenades. Non, mais je veux les grenades. Je crois que c'est des grenades incendiaires rouges, comme ça. Ouais, c'est ça. Grenades incendiaires. Bon, bah on va garder les grenades incendiaires pour plus tard. Donc il nous a mis des munitions, c'est super sympa. Enfin, des munitions... voilà quoi, ça. Je vais le ranger. Je vais le ranger. Et je pense que je vais prendre le... Merde, les grenades acides. Parce qu'il me semble que j'en aurais besoin. Je sais qu'il y a une sorte de deal à faire avec quelqu'un. On lui donne des grenades... Et il nous donne une arme.
mais je sais pas c'est à quel moment. C'est le seul problème. Bon, en tout cas, j'ai la clé du manoir, donc ça c'est la clé armure, et je pense qu'il me faut la clé casque en fait pour accéder au... Ah merde, je sais plus. Alors lui, il va être là. Merde! Voilà. Lâche-moi, connard! Je me casse, je me casse, je me casse. La la l'air. Je m'en vais. Alors toi, par contre, tu vas me faire chier. Oh, une balle! Oui, vas-y, cours, Jill. Là. Yes! Yes. Les souvenirs reviennent un peu. Ok. Pas du tout glauque. Alors pas du tout. La tête de cerf, pas du tout glauque. Oui. Une herbe rouge. Y aurait pas une herbe verte par hasard que je puisse combiner? Ouais, ça ne semble pas être l'œuvre de ces créatures putréfiées, d'accord. Par là, y a quoi? D'accord, donc il fallait utiliser le crochet. Ça me va. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, Barry! Salut! Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Alors, le testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur. Le haut a été déchiré. Là. Ok. Alors, Alma, je n'entends. Alma! Non, il y a Alma! Putain! Pour ceux qui ont vu mes let's play sur Fear, voilà, je ne supporte pas Alma. Enfin bref. Tout est lié. Fear, Resident Evil, Alma, tout est lié. Échapper à mon sort, je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie. Oui, ok. J'aurais refermé mes yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprends mon geste. Je suis désolé. D'accord. Et... What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. Understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. D'accord. Let's continue our investigation. Ok. Bon, bah on va continuer les investigations. Alors ici, il n'y a rien. Ah si, si, je me souviens. Mais par contre, j'ai besoin de la masse de place dans mon inventaire. Et là, c'est pas vraiment le cas. Alors j'espère que la salle d'en face, c'est une salle de sauvegarde. J'espère. Qu'il y a un coffre au moins. Que je puisse vider tout ça. Parce que ouais, il me faut vraiment la place. J'aime pas cette vue. J'aime pas trop beaucoup ça. Y'a quoi? Ah, une trousse de premiers soins, ça aurait pu être utile. Bon, tant pis, hein. Voilà. Ok. Putain, j'ai peur qu'il y ait un truc sous le lit, quoi. Ouais. Un ruban, ok, ça me va. Trois rubans encreurs, bon. Bon, je suis un gueudin, j'y vais, mais... J'ai vraiment peur qu'il y ait quelque chose sous le lit. Ah, de l'herbe verte! Ah, merde! Fais chier. Deux herbes vertes, oh purée! Bon, moi je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a ici. Ça, je peux pas l'ouvrir par hasard. Examiner. Rien d'inhabituel. Ok. Bon. Ça doit être sûrement être utile pour plus tard. Donc, il va falloir que je déleste de mon inventaire. Ah oui, non, mais je suis con, il y a une salle juste en bas.
Il y a une salle juste en dessous. Ouais. Là où j'ai tué le zombie. Je suis con. Parce que moi, pour le... Oh là, il est encore vivant. J'ai du bol. Alors lui, là, il est en bas, il va me faire chier. Allez, esquive, esquive. Oui. Au revoir. Par contre, pour le retour, je sens qu'il va encore me choper, donc je vais longer les murs. Et prier pour mes fesses. Donc, déjà le ruban encreur, je vais le virer, hein. Quoique je ferais bien quand même une petite sauvegarde. Alors, ça là, ça. Et je commence à avoir des trucs dans mon inventaire. Waouh! Le diamant, oui, parce que j'en ai pas besoin. Hop, on va utiliser le ruban encreur. Voilà, oui. Je préfère sauvegarder avant. Voilà. Et après, on y retourne. Voilà. Ah, j'adore cette ambiance. Allez, allez, hop. Oui! Oh. Bon, par contre, celui d'en haut, je vais encore devoir lui tirer dessus. Sinon, je pense pas réussir à passer. Ah, il est plus là. Ah, putain, il est rentré dans la salle où je veux aller. Si j'ouvre la porte, est-ce qu'il va me sauter à la gueule si j'ouvre la porte? Bonjour, monsieur. Je sais pas s'il est mort ou quoi, mais je m'en fous. Il est pas mort. Allez, crève. T'es mort, hein? Oui, t'es mort. C'est bon. Bon, j'ai gâché des munitions, mais... Oh oui, putain, ouais, j'ai bien gâché des munitions. Hop. Tac. Voilà. Il me reste une balle dans... une balle en réserve. Juste génial. Donc je vais essayer de plus tirer du tout. J'aurais peut-être dû garder le couteau. En fait. Bon alors du coup. Ça. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait une énigme aussi ici. Hop, divers types d'hameçons, ouais. Du coup. Voilà. Spécimen d'abeille. Parce qu'il a rien à faire là, vu que c'est un truc de leurre, en fait. Et ici. Il y a aussi un truc, voilà. Un leurre d'abeille. Donc en fait, les trucs n'étaient pas à la bonne place. Et il y avait un interrupteur en dessous. Donc on va pas appuyer dessus maintenant. Et je vais. Non. Hameçon associé. Voilà. Donc maintenant, il suffit de remettre ça. Il suffit de remettre ça ici. Voilà. Et. L'abeille là-bas. Et si je me souviens bien après, courir. Tac. Voilà. Là, on peut appuyer. Et on a obtenu quelque chose. Ah oh, putain, ça y est, voilà. L'abeille s'est réveillée. Oui, non, moi je veux l'objet. Oui, le symbole du vent, si tu veux. Non, 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 putain. Non, 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 non. Non, allez, je me casse. Oui, maintenant les abeilles nous tuent. C'est génial. Hop, et je vais en profiter. Parce que là, ça va, je suis ok. Je vais examiner ça. Ok, rien d'inhabituel. C'est une icône représentant le vent. D'accord. Ah, je sais plus comment je. Enfin. Où je dois m'en servir. Je sais plus du tout. Parce que je crois que c'est une quête pour avoir un masque. Donc c'est assez important. Et là je vais en profiter. Je vais récupérer les herbes que j'avais vues tout à l'heure. Alors il y en a une. Est-ce qu'il y en a bien deux?
Ah non, il n'y en avait qu'une. Ah, autant pour moi. Bon, le jeu a dû penser que j'étais sur la plante quand je l'ai ramassée. Bon. Donc ça, c'est fait. J'ai le symbole du vent. Même si je ne sais pas à quoi il va me servir dans l'immédiat. Donc là, le zombie est là. Donc là, j'ai plus rien à craindre dans ce couloir. Techniquement. Techniquement, j'ai plus rien à craindre. Et on va aller par là. Parce que par là, j'ai jamais été. Oh putain. Arrêtez de me faire peur. Qu'est-ce qui se passe par là? Ok. Bon, une salle. Avec 10 plantes. 10 petites plantes. Hop, on va directement les associer. Ce sera plus rapide. Y a rien du tout là. Une cheminée sans feu. Ah, il faudrait que j'ai le briquet. Ok. Il faudrait que j'ai le briquet parce que là, je pense que c'est la map. Enfin, c'est la carte du premier étage. Qui est juste au-dessus de la cheminée. Donc il me faudrait le briquet pour que je puisse la récupérer. C'est verrouillé. L'emblème d'un casque est gravé sur la serrure. Ah, putain, fais chier. Donc je ne peux pas passer par là. Génial. Bon, au moins j'ai un emblème. Je ne sais vraiment pas à quoi il sert, mais j'ai un emblème. Je sais plus à quoi il sert, pour être précis. Bon, là je suis tranquille. Est-ce que là je suis tranquille? Oui. Je suis tranquille. Tranquille. Bon. C'est celui d'en bas qui crie ou quoi? Alors, il n'y a pas de poignée sur la porte. Ok. Ça m'aide. Bon, je dois aller par là. Ouh, fatigué-moi. Et merde. Je me casse. Là, il y a une porte, on va essayer. Apparemment, ça fonctionne. Bon. C'était la clé du manoir. Oui. Wow. Ah d'accord, une énigme. Ok. Bon. Alors, c'est quoi ça? Y a quelque chose d'inscrit dans ce renfoncement. Ok. D'incrusté, pardon. Ok, d'accord, mais je fais quoi? Je fais quoi? Faut que je les repousse? C'est ça? C'est ça, faut que je les pousse? Ah oui, bon. Bon, on va les remettre en place. Si je me souviens bien, il y a un ordre en fait. Je l'ai fait qu'une fois, vite fait. Non, c'est pas ça. Vu qu'il se remet, c'est pas ça. Y a pas un truc là? Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Oui? Ah merde! Ah merde, 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 merde! Non! Oh non! Du gaz toxique! Merde! Je suis empoisonné, je suppose? Ouais, non, même pas. Oh merde! Putain, je suis sûr que c'est important en plus. Le truc qui est incrusté dedans, je suis sûr que c'est un masque. Je suis sûr. Je suis sûr. Donc ne pas appuyer sur le bouton. Ça, on le saura. Alors. Bon, on va essayer de les remettre en place parce que. Là. Et apparemment, pour réinitialiser la salle, faudra que je revienne à chaque fois dedans. Bon, il bouge pas, ça a l'air d'être ça. Ok, toi maintenant. Yes! Yes, yes, yes. Bon. Est-ce que c'est ouvert maintenant? Non, toujours pas. Faut appuyer sur le bouton.
Ah, j'ai peur d'appuyer sur le bouton. Ah bah non, ça va. Ça va. Putain, le coup du gaz toxique, quoi, je m'y attendais vraiment pas. Une boîte mystérieuse, hein? Oui, bah oui, on va la prendre. Hein. On va déjà regarder ce qu'il y a dedans. Examiner. Non, non. Oh putain, j'ai fait le con. Voilà, examiner. Alors. Il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque. On peut lire. Je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Donc, on. Alors attendez, il y a une forme de cœur sur le soleil et une forme de barre sur la lune. Voilà, ok, je suppose que c'est des verrous. Donc. Oui. Et ben voilà, c'est logique. Oui. Bingo! Et ben voilà, un masque. Et un masque en plus. Bon, ça nous en fait deux. Plus que deux. Plus que deux masques à trouver. Je pense savoir où ils sont. Enfin, un c'est sûr. Mais il me faut une clé pour y accéder. Je ne sais plus comment on a la dite clé. Ah merde! Non, non, non! Putain, pas toi! Même ici, je te croise, quoi. Ah! Loupé! Eh. Oh la vache! Fou! Ils vont pas me suivre, hein. Non, bon, ça va. Alors, du coup, j'ai deux masques. Deux petits masques. Et un zombie qui va me faire chier. Ouais, c'est bon. Donc je vais aller directement mettre le masque et sauvegarder, hein. Comme ça, au moins, on sera peinard. Hop. Alors, le masque. On va essayer de les mettre ensemble. Voilà, comme ça, moi, je les perdrai pas. De vue, hein, tout du moins. Ok, le ruban encreur, il vient là. Ok, et le spray, je vais le prendre quand même. On sait jamais. Couteau, page double. Bon. Apparemment, plus grand-chose d'intéressant. Alors, ici, une vieille machine à écrire. Oui. Tac. Et je pense savoir où est le dernier. Enfin, la clé casque. Je pense savoir où elle se trouve. Et là, par contre, j'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute. Je suis absolument pas sûr de moi. Alors, l'emblème du vent, je vais le mettre là. Parce que il me semble pas que j'en ai besoin. Voilà. J'ai un gros, gros doute. Mais je pense qu'il faut que je retourne au grenier. Enfin, en direction du grenier. Donc Landan m'a dit ça dans les commentaires. Donc je sais que tu regardes, coquinou. Ah putain. Non, on va pas l'ouvrir. Je vais repasser par là, c'est pas grave. Ah merde! Non, 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 non. Putain, en plus j'ai plus d'objets défensifs. Chier. Hey, lâche-moi!